très rapidement, je suis très content de voir autant de membres de l'hôpital Maisonneuve Rosemont ici aujourd'hui pour dire à Barrette que c'est non à votre réforme que vous proposez, c'est non. C'est non d'abord parce que c'est des coupeurs de services de santé, des services essentiels pour la population. C'est non parce que si les syndicats dénoncent pas ce qui se passe, qui va le dénoncer? Puis là, on commence à voir, depuis que nous autres, on a dit on va faire une priorité de la lutte contre le projet de loi 10, on voit de plus en plus de membres qui se prononcent contre. Mais en fin de semaine, les administrateurs, quelques-uns qui ont eu le courage de dire « c'est pas bon ce que propose le ministre ». Ensuite, les universitaires, et là, cette semaine, trois des quatre groupes de médecins qui très fortement ont critiqué puis ont dit « c'est pas bon, il faut mettre ça aux poubelles ». Vendredi passé, nous et nos syndicats, on a dit on fait une priorité de cette lutte. Ça commence aujourd'hui ici à Maisonneuve-Rosemont. Vous allez voir tous les jours au cours des prochaines semaines qu'il y aura des actions partout pour que le monde comprenne, c'est pas bon. On va y être. Je vous remercie de votre participation. Ce n'est qu'un début. Bravo! Je vous disais notre Dieu quand intervenant, j'oubliais le dernier, mais non le moindre. Je vous invite à accueillir Jean Lacharité, vice-président de la CSM.